Bonjour, voilà, désolé d'avoir fait cette vidéo plus tard que prévu. Voilà, Koh-Lanta, épisode 7. Alors là, marquant, mais marquant de rebondissement. Je vous explique. Alors déjà d'une, on sent Arnaud et Jonathan qui sont direct dans le viseur, ça je vous le dis direct. Ils se sentent obligés de faire la stratégie ou alors d'être un peu meilleurs en survie. Pas forcément faire la stratégie, mais construire des alliances qui sont vraiment intéressantes. Franchement, je trouve que pour faire review, déjà, Laure et Maxine ont été beaucoup moins chiantes cet épisode. Voilà. Alors déjà, voilà, c'est chaud entre Jonathan et Arnaud. C'est vraiment, on sait vraiment pas qui des deux va partir. C'est soit eux, soit l'un, soit l'autre, quoi. Et voilà. Et d'ailleurs, il y avait une alliance de filles. Fille contre garçon qui va se transformer vite fait entre jaune versus rouge. Et ça, je vais vous expliquer. L'alliance, d'ailleurs, je suis content que l'alliance des filles soit finie. Mais bon, déjà, il faut tirer sur une cible. Voilà, une cible intéressante. Et on voit les talents et les prestations de chacun. Voilà. Y a Arnaud, je crois, qui est pas mal. Bon, il y a Myriam qui fait les du tir à l'arc. La prof d'anglais, quand. Donc voilà. Donc on se dit, est-ce qu'elle va gagner? Suspense, suspense. Épreuve du tir à l'arc. Voilà, chacun tire à son tour. Jonathan gagne au début. Première salle, il élimine Laure. Et il dit, ouais, t'as pas de famille et tout. En gros, enfin, t'as pas d'amis. Enfin, non, t'as pas de copains, t'as pas d'enfants. Et ouais, ça peut énerver Laure, ça, mais rien de bien méchant. Et finalement, à la fin, c'est Myriam qui gagne. Et qui emmène Shanice avec elle, mais grosse erreur stratégique d'avoir emmené Shanice, sa meilleure copine, et en plus avoir dévoilé, voilà, il reste Mathieu, Thomas, moi et Shanice. On est le quatuor, ce serait bien qu'on aille en finale ensemble, ce serait idéal et tout. Elle a dévoilé ses cartes trop vite. On a bien vu que Myriam, d'ailleurs, elle a failli être menacée. Quand on voit Arnaud sur le camp qui dit, ouais, comment dire? Ouais, Myriam, c'est celle, c'est Madalton, ça. Enfin, alors qu'en fait, c'est Shanice qui dirige les choses. C'est Shanice qui dirige les voix, en fait. C'est vraiment Shanice qui. Épisode vraiment beaucoup plus intéressant, je trouve. Shanice qui dirige le truc, et ça a failli être Myriam qui allait porter chapeau de Madalton, maîtresse un peu de. Et voilà, c'est un peu elle qui allait porter le rôle de la leaduse, alors qu'en réalité, c'est Shanice, quoi. Voilà. Littéralement. Myriam et Shanice, voilà, très alliées. Elle part de plan, on voit la famille, le confort est cool. Et franchement, c'est un confort génial. Déjà, il faut le dire, c'est vraiment un confort sympa. C'est un confort, mais ouf, quoi. Un confort vraiment. Ah non, mais on n'en voit pas ça tous les jours, quoi. Enfin, c'est vraiment le confort à ne pas rater. C'est vraiment le big confort. Et j'aurais trouvé que ça aurait été mieux, c'était à la fin, ce confort. Vraiment la dernière épreuve de confort avant l'orientation. J'aurais trouvé ça. Je sais pas, vraiment, avec près de toutes ces épreuves, la dernière de confort avec une récompense, mais absolument géniale, quoi. La récompense qu'il ne fallait pas louper. Voilà, ça aurait été génial. Ça serait terminé par ça. Mais bon, hein, c'est intéressant quand même, finalement. Et d'ailleurs, on pensait que Janice allait très loin à cause de l'épreuve du tir à l'arc. Finalement, on s'est bien trompé, hein. Elle n'est pas allée aussi loin que l'on a pu imaginer. On y reparlera après. Déjà, voilà, sur le camp, il y a des. En plus, il y a Vincent qui se retrouve un peu au milieu de tout ça. Parce qu'Arnaud, tu vois, il lui parle et tout. Il fait pas vraiment de la stratégie, mais il fait des alliances. Il commence à faire plaider sa cause et à dire, en fait, ouais, il faut vraiment, mon gars, il faut. Là, tu vois, c'est un trop gros quatuor. Il y a Myriam, enfin évidemment c'est pas elle qui a été éliminée, mais ça aurait pu, qui aurait été jugée à tort par des. En fait, ça aurait été un quiproquo, un malentendu, c'était Myriam qui avait endossé le rôle de Shanice, de leaduse, alors que non, mais finalement on a bien vu que c'était pas elle. Et on va en parler après. Voilà, finalement Arnaud il fait plaider sa cause auprès de Vincent. On va vite comprendre que c'est un peu lui le maître du jeu à ce stade, c'est un peu lui qui va faire pencher les votes. C'est un peu comme Régis en 2020, l'année dernière. Je sais plus si vous en souvenez, mais bon, on va pas s'étaler sur le sujet. Enfin, on comprend vite que Vincent, il a un rôle déterminant à l'issue du vote, quoi qu'il arrive.
Il fera l'un, il fera partie de l'un des jurys qui va faire pencher la balance. Ça va peut-être même être le jury qui va faire pencher la balance. Et c'est d'ailleurs le cas. Mais on voit quand même qu'il y a Lucie qui s'est énervée. D'ailleurs, on en parle au tout début de l'aventure. Tout début du jeu, je veux dire, pardon. Tout début de l'épisode. Bon, je me perds un peu dans